bien ça. Et bienvenue à ce numéro, à ce nouveau numéro de Temps Z. Nous remercions Mickey et son équipe de nous recevoir ici. Sachez que cette émission est en direct et... et merde. Est en direct de la Cantada et nous sommes ravis de vous accueillir en si grand nombre. Merci. La Cantada, bar spécialisé dans les absinthes et les spiritueux, et qui sait que ce soir vous en aurez bien besoin car nous allons vous présenter le premier film de Del Brin. Un hommage à George Lucas au temps de la guerre des étoiles. Non, on me souffle dans l'oreillette que c'est vraiment un téléfilm de George Lucas. Et c'est un peu le mouton noir de son créateur. Attendez Igor, comment allons-nous expliquer cette vague de suicide qui va avoir lieu tout au long de la séance? Expliquer on pourra pas. Mais on peut la prévenir, sachez qu'il y a un bar à votre droite. Vous pouvez trouver un bar à l'étage et sachez que Mickey prendra les cartes bleues, ainsi que toute espèce d'ici et d'ailleurs. Selon la théorie des corps de la fluctuation quantique de Mickey et de la signature de la métrique à l'échelle de Planck et de l'état topographique. Tu sais pas noyer le poisson et nous dire qu'on va diffuser un film de merde. Tout à fait, Igor. Je me demande d'ailleurs comment Mathieu Berton a pu se péter une dent en montant un meuble Ikea. Ne change pas tout de suite de sujet, Grishka. Mais pas du tout, Igor. Bien simple, puis on tire sur la corde il y a ce temps, et qu'à si on se prend la gueule en fait. Le contexte euclidien me fait dire que nos élucubrations ne veulent dire quelque chose que pour les gens qui les comprennent. En fait, pour le public va se rendre compte que nous ne sommes que des plagiats. Ton argument est absolu. Moi t'en fous. Et c'est l'amour du cinéma qui nous réunit chaque mois, n'est-ce pas? Oui. On vous rappelle d'ailleurs que vous avez un bar à votre droite et que Mickey prend les cartes bleues et les espèces d'ici et d'ailleurs, bien sûr. Et cette fois, c'est pas l'alcool qui vous rendra aveugle, mais un téléfilm frelaté. Excusez-moi, à quel moment j'interviens? Mais putain, Raël! Ouais, le téléfilm attaque des clones! Et on t'a dit qu'il fallait que t'arrêtes après le deuxième! Ouais! Ah, deux clones, ça va! Ouais, mais trois clones, bonjour les gars! Bravo! Aujourd'hui, c'est au ce soir.